tracidoute.org. Rabbi Lapore dans le Sifot, certainement tout le monde est au courant. Rabbi Lapore, la Sifre qui l'explique, c'est connu quand le Alte Rebbe était en prison. Ils sont venus le visiter, Baal Shem Tov et les Magid. Et comme le Rebbe est en train de souligner que le Baal Shem Tov et les Magid, ils ne sont pas venus leur Neshama, leur âme, après qu'ils ont été déjà dans Gan Eden. Mais ils sont venus habillés dans le corps. Et pour ça, le Rebbe précédent, il était voir le prison où l'autre Rebbe était. Et après, son père, le Rebbe Rachab, il a demandé exactement, est-ce que dans la pièce, Bimtziut, qui vont rentrer trois personnes. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov et les Magid, ils sont venus habillés dans un corps. Et à ce moment-là, le Alte Rebbe, il a demandé au Baal Shem Tov Magid, pourquoi je suis en prison? Parce que chaque chose, ça veut dire qu'il y en a un qui trouve une accusation, le Milo. Ils ont répondu que l'accusation, il est, pourquoi il est en train de répondre tellement, Tere d'Arsidou. Le Alte Rebbe, il a dit, est-ce que quand je vais sortir de prison, il faut que j'arrête? Ils ont dit, il faut encore continuer encore plus. Et dans ce cas-là, le Rebbe demande comment le Alte Rebbe a pensé cette idée d'arrêter. Et deuxièmement, que lui-même, il y avait une fois une accusation sur le Magid, il a donné l'exemple de la pierre précieuse du roi, et à ce moment-là, il a enlevé l'accusation du ciel. Et dans ce cas-là, pourquoi ça n'a pas marché? La propre réponse de Alte Rebbe pour lui-même. Et le Rebbe, il explique qu'il y en a deux, une yanim, pourquoi il faut apprendre à Sidoud, les profondeurs, les secrets de la Torah. Où on doit l'apprendre pour sauver les peuples juifs qui vont rester attachés avec Dieu, avec Torah Mitzvot, où il faut apprendre pour avancer, pour préparer la venue de Moshiach. Et dans ce cas-là, c'est ça que l'Alte Rebbe, il a répondu à l'époque de Magid, qui était l'accusation pourquoi on apprend Chassidut. Dans la façon de Baal Shem Tov de Magid, en résumé, Bekitsour, et à ce moment-là, l'Alte Rebbe, il a répondu qu'on a besoin pour sauver le peuple juif. Et cela, c'est la du Shem, et faire terreur. Mais quand il est venu pour faire Chassidut Chabad, que ce n'est plus de résumé, que ça c'est de Maimorim Barichus. Barichus Avone Vehasoge, et pourquoi on est en train de faire la Richus? Pour préparer le pas de Moshiach, et à ce moment-là, il n'y en a pas la réponse pour sauver l'enfant, pour sauver le peuple juif, ça c'est plus le résumé. Et dans ce cas-là, c'est ça que le Baal Shem Tov a demandé. L'Alte Rebbe a demandé à ses maîtres, est-ce qu'il faut arrêter? Et à ce moment-là, ils ont répondu au contraire, il faut encore plus apprendre et c'est ça qui va faire approcher le pas de Moshiach.